Salut à tous les gars, c'est Drop Dead Boy. Aujourd'hui, on se retrouve sur la map Rave in the Redwoods pour un nouveau tuto glitch out of map, munitions illimitées, manches illimitées. Donc, comment ça se passe, les gars? Donc, déjà, il vous faudra le transpondeur. Pour avoir le transpondeur, il faudra faire 25 éliminations de loin avec le challenge station du hibou. Après, vous l'achetez, donc moi je l'ai déjà acheté là. Ensuite, rendez-vous au Messol. Donc, on va au Messol. Donc je dis bien, c'est un out of map after patch 1.13. Je vais vous montrer où il se passe. Et donc avec cet out of map, vous pouvez passer les manches en illimité avec des munitions en illimité. De toute façon, vous allez le voir. Regardez bien en dessous, j'ai bien 45 sur 90. Donc l'out of map, il se passe ici. Voilà. Ensuite, vous longez ici. Voilà, faites des petits sauts, sinon vous pouvez rester bloqué des fois. Ensuite, vous tombez là, vous accroupissez parce que il y a un wall. Après, vous accélérez, vous sautez là et rendez-vous au retour en arrière. Donc moi, j'ai déjà fait au préalable les 15 éliminations corps à corps. Donc maintenant, on va juste passer la manche. On va attendre que les zombies vont respawn, on va passer la manche. Je vais vous montrer que les zombies restent bien freeze devant vous et ne vous tuent pas. Donc vous voyez bien que les zombies restent là, quoi. Ils sont bien là. Donc on va les tuer. Je vais vous montrer aussi la manche des Yetis. Parce que pour les gars pressés comme moi, vous allez le faire très vite. Donc il y aura la manche des Yetis à la manche 5 ou alors à la manche 6, ça dépend. Donc pour moi, ça va être la manche 6. Donc je vais juste vous montrer comment ça se passe avec les Yetis. Voilà. Il doit en rester un, je pense. Un ou deux. Après, bien sûr, vous pouvez continuer. Hein. Vous pouvez aller là, monter à la maison. Faire le. Je sais qu'on a réussi. Attends. J'ai réussi à faire le tour, mais pas par là, par là-bas, pour réussir à venir à la cascade et faire que des tire-têtes. Enfin, bref, quoi. Un out of map normal, quoi. Donc, la manche va passer. Ça va être la manche des Yetis. Je vais vous montrer comment ça se passe. Votre âme m'appartient. Donc les Yetis sont là. Hein. Donc ils peuvent. Par contre, ils peuvent vous tuer, hein, les Yetis. Vous voyez. Donc attention, quoi. Les Yetis peuvent vous tuer. Je voulais juste vous montrer que vous pouvez prendre des coups avec les Yetis. Que vous n'êtes pas invincible aux Yetis, quoi. Donc voilà. On va vite la passer. Donc voilà, la manche des Yetis est passée. Je l'ai accéléré parce que c'était trop long, là. Il voulait pas spawn, c'est un peu chiant. Ensuite, vous voyez bien, j'ai 10 balles sur 90, donc je vais vider mes 10 dernières balles. Voilà. Et donc là, vous achetez le retour en arrière, regardez. On fait retour en arrière. Vous avez 45 sur 405 balles. Donc vous récupérez tous vos chargeurs, en fait. Tout le chargeur de votre arme, vous le récupérez, en fait. Et donc toutes les deux manches. Donc regardez bien, les zombies spawnent bien ici. Ils vous tuent pas, hein. Vous pouvez avancer jusque là. Hein. Ils vous tuent pas. Donc vous pouvez tuer tous les zombies. Passer les manches en illimité. Moi, comment j'ai fait pour avoir mon arme améliorée? J'ai simplement utilisé la carte toute option. Hein. Comme ça, c'est plus simple. Et donc voilà quoi les gars. C'est plus simple que ça, vous mourrez quoi. Donc voilà, j'espère que cet after patch 1.13 de l'out of map en plus de manches illimitées dans skip round et munitions illimitées vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un gros pouce bleu les gars, ça me fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et moi je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, bye bye!